Hey, salut à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce 51e épisode de notre Let's Play Dragon Quest Heroes. Alors, la dernière fois, on avait récupéré la goutte de rosée, je crois, c'est ça? Ah oui, c'est vrai que la map, généralement, les cartes se mettent la deuxième fois. J'avais pas encore la salle de boss. Ok, donc bah ça, j'irai le faire plus tard. Hein. Ça prouve que j'ai pas été rejoué entre temps. J'ai pas farmé pour une fois, j'ai pas été faire de quêtes secondaires. En même temps, j'avais dit que je garderais celle de Colisea, histoire d'essayer de la faire en vidéo. Vous montrer que si c'est possible, faut pas baisser les bras, ce serait ça mon objectif. Mais d'abord, on va s'occuper de l'ombre à la lumière. On est parti. Avec de la chance, on aura une coupure entre les deux. Donc, on reviendra à l'Aerox, donc c'est pas grave. Mais j'aimerais finir, voilà, selon le temps qu'on aura, si je peux la caser dans une des prochaines vidéos au Colisée. Parce que les mobs sont pas forts, c'est qu'il y en a tellement. C'est ça le problème. Allez, on est parti. Un seul regard vers l'Hydraxyl corrompu suffit à me briser le cœur si seulement il existait un moyen d'inverser le cours du temps. Il y en a un, nous disposons de la rosée sacrée et du pouvoir de la lumière, nous pouvons réparer les dégâts de Velasco. Il a raison, quand nous aurons guéri l'Hydraxyl, Arcane ne pourra plus se réveiller et les plans de Monsieur Moustache tomberont à l'eau. Monsieur Moustache, quoi. Comment elle vient de casser en 2 secondes le mythe du méchant? Parce que franchement, avant qu'il enlève sa capuche, je vois qu'il soit blond, genre il fait un peu Onizuka, voire commentateur du Tenkaichi Budokai. Je le trouvais super classe, moi, en mode capuche qu'on voit au début quand il fait ses invoques. Mais là, elle a encore plus tué Monsieur Moustache. Ça me rappelle le. C'est dans quoi? C'est dans Frankenweenie qu'il y a Monsieur Moustache. J'ai hâte de voir ça, mais nous devons faire vite. Nous n'avons guère de temps avant que l'arbre du monde ne soit flétri pour de bon. Ah, des nouvelles armures. Ah, eux sont tellement chiants. Je les aime pas à la base. Je les ai, ces armures. Après, c'est bien, il faut des ennemis un peu comme ça, mais le problème, voilà, c'est ça. C'est que quand ils sont en groupe, c'est pas toujours le bon qui défend. C'est un pur hasard, quoi. Hop, on l'a pas, celle-là. Ah, je sais pas si ça va servir ici, après. Ouais, il y a des osios. Il y a plein de osios. Bah alors, pourquoi je peux pas lancer? Attends. Quoi? Ah oui, je suis en... Putain, j'avais pas vu, je suis genre silence. Voilà, je peux. Voilà, faire un peu de ménage. Alors, c'est qui? C'est Yangus qui a pris du level. Alors qu'on a l'apparition des nouveaux mages. Qui ont l'air beaucoup plus résistants. Hein. Ça commence à déconner zéro. Je vais leur mettre un mec armure pour l'instant. Et il y a les nouveaux Medi-6 aussi. Alors on peut faire tomber ce que je viens de voir, les ennemis. Mais faire gaffe, je sais plus si je peux tomber moi. Ah oui, c'est vrai que c'était la carte dégueulasse ici. Là on l'a genre en mode cimetière. Je viens juste de remarquer. Qui a eu l'idée brillante de placer ça ici et comment est-ce qu'on est censé passer de l'autre côté hein? Ah oui, il y a un monstre en fait qui a pop là. J'ai même pas vu. Je crois qu'on aura du mal à y aller en force avec nos armes. Quelqu'un aurait une idée de génie? Si je pose une petite goutte. Bon, moi je dis on va s'occuper déjà du Maelstrom. Ce sera un bon début. Il est là notre ami le volant. Il veut pas descendre légèrement? Voilà, merci. Voilà, c'est pour ça que j'ai loqué, comme ça dès qu'il descend. Ou au pire, je peux sauter pour le choper. Ok, donc ça c'est fait. Pépite d'argent. Je veux bien te calmer, petit oiseau. Qui n'a pas d'aile. Qui n'a plus d'aile. Merde, j'ai pas pu toucher ceux qui étaient derrière. Attends, j'ai l'impression que c'est un dodo, mais que j'ai pas mangé le dodo, non? Bon voilà, je pense qu'ils se barrent. Eh, il y a un truc là-bas qui m'intéresse. Voilà, c'était eux qui... Ouais, d'accord. D'abord on le voit, après on le voit plus. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus.
La Rusule Jolie. Alors, je crois que ça, il en fallait pour une quête. Donc, c'est très bien. Ah merde! Boulet! On va le prendre. Je n'ai pas cette médaille. Merde, je suis à l'envers. Alors, je sais pas ce que ça fait le fait de tomber. Alors, le truc, c'est que j'étais en train de regarder. Voilà le TP que je vais m'empresser de ramasser. Voilà, souhaitons jamais. Ça peut servir pour plus tard. Ouah, chef troll et tout. Putain, on nous met vraiment du lourd là. Il a glissé le mec. Voilà, comme ça j'ai pas été sonné normalement. Parce que j'aurais dû me prendre un gros coup de massue. La question c'est est-ce que je vais le toucher, ouais. On va se débarrasser de lui. Normalement, je me suis débarrassé des petits quand même, non? Voilà, lui c'est fait. Bon, ça on a déjà eu. Voilà, occupons-nous de notre ami troll. Putain, on fait très peu de dégâts malgré le changement d'arme quand même qui m'a donné quoi? 20-30 de dégâts en plus. Waouh! Le mec, comment il peut me two-shot avec ça? J'ai pas rechargé mes pierres de soin, tiens. Là-dessus, j'ai merdé. Faudrait que je pense à remettre des pierres de soin. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Moi je suis un ouf, hein. Je veux me barrer. Ah, il y a un nouveau mec. Je vois le mystérieux épéiste là, j'ai lu. Ah oui, il y a un mec, là c'est qui déjà lui? Ah lui c'est... Putain, il me semble que c'est des très vieux... Là je vois rien. Ah, je me suis fait glacer. C'est qui? C'est Maya qui avait le gel... Putain, je déteste cette zone, hein. Je le dis sincèrement. Je la hais. Je suis en train de prendre tellement cher. Ah oui, j'ai ramassé la médaille de gargouille. Je savais que j'avais pas cette médaille. Ah, mais vous êtes relou là. Putain, il y a un tyrannosaure. Bon, je pense pas en avoir déjà vu, à moins que ce soit des achosaures améliorés. Il me semblerait logique. Ouais, c'est ça. C'est une saloperie à améliorer. Voilà, combattez les mecs. Foutre le bordel, moi. Voilà, parce que j'ai mis aussi les bijoux qui allaient dans mon sens. C'est-à-dire, bah, ça booste un peu l'attaque de mes pets. Viens là, mon gros. J'aime pas le truc au sol, là. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime pas trop ça. Allez, frappez-le. Putain, on lui fait pas beaucoup de dégâts quand même. Voilà, c'est bon. Là, si ça va. Ah, si on se met tous ensemble, oui, ça devient plus intéressant. Voilà, désolé, j'ai besoin de ta place. Sachant qu'on l'avait pas, et que c'est la version quand même, mine de rien, plus méchante. Où est-ce qu'on est censé aller? Ouais, j'allais dire par là, je pense qu'il y a plus de monde. Si on fait un peu de ménage en route. C'est par où? Par là, hein, il y a un Maelstrom. Maelstrom monstre, ah, j'y arriverai jamais avec ce truc. Hein. Il est où lui? Caché cette sous-merde là. Il a pas honte. Viens là, au lieu de te cacher. Il se cache dans les angles morts en hauteur le mec. Voilà, genre crève. Ferme-la. Toi aussi, tais-toi. Non mais oh.
Non mais cherchez pas, quand vous êtes seul, vous faites pas peur. Mais non, je veux aller de l'autre côté. Alors il doit y avoir un passage, vu qu'il se ramène d'ici. Là, je comprends plus rien, là. Il est où ce passage? Chut, barrez-vous. Merde, je voulais pas le ramasser. Bon. Et où cette saloperie de Maelstrom? Il serait au-dessus? C'est ça, je pense, le truc, hein. Eh ouais. Voilà, si je le fume comme ça, non? Bon, déjà, je l'avais emmené en bas, ce qui m'a arrangé énormément. Alors, je sais pas où on doit aller, par là. On n'a toujours pas vu notre jeune ami, que je connais de visu, mais alors je me rappelle plus c'est qui. Ça, je dois l'admettre. C'est vraiment quelque chose que j'admettrais volontiers. Parce que ce serait pas un mensonge. Mais je sais que je me rappelle de son visuel. J'avais dû le voir certainement une version Super NES, peut-être sur les boîtes Jap. Il était super joli, cela dit en passant. J'adore les boîtes Super NES et GBA Jap. Je suis un grand fan. Ce soit, c'était pas forcément la jaquette en elle-même, mais c'était même les formes et autres. J'étais un gros fan de ça. Ouais. Cet endroit va me gonfler. C'est quoi cette médaille? Chauffe qui peut. Il y a encore un gros, j'ai l'impression, là, quelque part. Non, c'est toi qui brille comme ça? Vous foutez de ma gueule, c'est lui. Ça, c'est mes potes. Le jour où je saurai lire une carte, que je comprendrai une carte, je pense que le monde évoluera. Je le dis sincèrement. Ce monde évoluera tellement bien. Il y a un coffre là-bas, tiens. Osef, si c'est un mimique, on est tranquille pour l'instant, on est bien. Ah bah voilà, il commence à fuir. C'est quoi, c'est une mini médaille? Ah bah voilà. J'ai bien fait, voilà. Ok, la porte est ouverte. La question maintenant, c'est comment je vais y aller à cette porte. Moi, c'est ça qui me fait marrer. Je pense qu'il y a un système d'escalier là à gauche et à droite. Ouais, je pense que c'est parce que je suis tombé des piliers. Ce serait ça l'idée. Comment j'ai fait pour aller au-dessus, moi? Faut que je passe par les côtés. Bon, de toute façon, je suis solo, donc c'est pas grave, je suis tranquille, il n'y a pas de mob. Mais je pense que c'est comme ça. C'est dégueulasse quand même, le stage il est fini et moi je suis en train de galérer. Je suis en train de galérer. Une feuille d'Yggdrasil, tiens, je crois que c'est la première fois que je suis à plus que 4, j'en ai 5. Bon, vous me direz, c'est pas exceptionnel. Mais je crois que c'est la première fois. Alors, il faudrait que j'arrive à grimper ici. Comment je vais grimper par là, moi? Non mais c'est carte de la non-compréhension, je suis dans des arbres, je voudrais traverser comme ça encore une fois. Mais où est-ce que je récupère ça? Ah non, bah non, parce que là je vais descendre. Par là peut-être. Je cherche un côté. Ah bah voilà, ça doit être par là. Mais viens là. Voilà, full vie comme ça. Je crois qu'en plus quand je suis full vie, j'ai un bonus de dégâts en plus quand je prends pas de coups. Alors je sais pas, est-ce que c'est quand je prends pas de coups, donc si j'en prends un c'est fini même si je recharge ma vie. Ou pas du tout. Du pognon. Ouais, 380 or. Paye ta puterie. Voilà, on est arrivé, c'est bon, j'ai réussi. On devrait rencontrer notre ami, je pense. Non, c'est pas fini? Ah bah non, c'est pas fini. D'accord. Bon bah, j'ai presque envie de dire tant mieux, hein.
Ça aurait pas été marrant sinon. Ça manquait un peu de combat. Ouais, il y a du géant, du troll et tout. Faudrait peut-être que voilà, je tue lui. Non, non, tu tapes pas, tu te tais. Voilà. Tabassage de tout le monde. Mais je pense que comme j'ai défoncé le mec très vite, il devrait plus y avoir de repop. Donc il doit être deux plus quelques petits. On va déjà défoncer lui, voilà, Trublion. On pourrait lâcher du Hachosaur. Mais genre, le mec il m'a carotté. Il m'a gelé. Bon. Ah ouais, Hachosaur, il s'est fait choper avec moi, le con. Il a pas de bol, le mec. Ben, j'ai volé. Voilà, on va les aider. Mais il est mort le troll. Merde, j'en voulais pas. Mais non. Voilà, tiens, j'ai envie de voir ce que ça fait. Ça heal, je pense, ça, non? Ah ouais, voilà, c'est ça, ok. De l'eau fraîche. De l'amour et de l'eau fraîche. Alors, continuons d'avancer, c'est par là. Bah, je casse les jarres, hein, tant qu'à faire. C'est quoi ça? Attaque améliorée, ouais, d'accord. Bon, c'est un peu trop tard, mais j'ai l'épée qui brille. Voilà, c'est stylé. J'ai une épée enchantée. Ah ouais, quand même, le médigluant de soins, il prend deux cases, lui. Voilà, ok, on a fini la mission. C'est pas mal. Bon, de toute façon, quand il n'y a pas de truc à défendre, généralement, je me débrouille bien. Moi, c'est dès qu'il faut défendre que ça me gonfle. Mais la dernière fois, au point du jour, je m'en étais bien sorti. Mais il avait quand même fallu m'y reprendre à deux fois, même si en vidéo on n'en a vu qu'une. Mais je m'étais fait toller. Voilà, disons-le. On n'a pas pris de level malgré quand même que... Ah si, Yangus a pris un level. Ok. Donc ça devrait suivre. La prochaine devrait être Jessica, je crois. Ou peut-être Maya, non, je sais plus. Ah, comme Maya n'a pas été là pendant un moment, je sais pas en fait. C'est une bonne question. Et je sais toujours pas quoi faire avec ces mini-médailles. Alors ça, c'est le truc que j'ai toujours pas compris. Ah si, 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 si. Attendez, il y a déjà ça. Voilà, ça, je sais qu'on peut réclamer avec le nombre de mecs aussi qu'on a tués. Mais ça, ah non, ça donne les mini-médailles. Il me semble que c'est ça. Voilà, genre là, j'en ai deux. Bravo! Ouais, ça fait partie de l'histoire, hein, normal. Ce qui veut dire que si ça fait partie de l'histoire, on sait qu'il en reste encore entre une et six à récupérer. Sachant que je pense que ça va pas se finir à l'Yggdrasil. Je pense qu'il y aura un truc une autre zone pour le combat de fin, parce qu'il reste Velasco, il reste certainement le dragon, j'imagine, je ne sais pas. Voilà, mais ça c'était point du jour, donc le boss. Mais parce qu'en dessous, ça a l'air... Pourquoi je dis 6? Parce que 6, c'est le maximum, voilà. Parce que ça, c'est un truc de combat. J'ai déjà, voilà, 10 000 monstres battus. Donc ça va être genre 20 ou 50 000 monstres, je ne sais pas. Il y avait le truc d'alchimie. Donc c'est pour ça. Donc le maximum, ça va aller de... Voilà, d'ici, la prochaine, jusqu'ici, grand max. Si ici, par exemple, il n'y a pas un ou deux trucs qui n'ont rien à voir, qui pourraient être du combat ou autre. Merde, j'ai oublié celle-là. Ah, parce que j'ai eu un objet tip top. Donc il doit y avoir aussi le élite ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais je vais en profiter parce que je crois qu'on n'a pas vu ça. Donc voilà, je vais en profiter pour vous le montrer. Adepte de la musette. Non mais sérieux quoi. Mais oui, je sais, j'ai appuyé, voilà, je voulais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est parce qu'on a eu beaucoup de monstres différents, c'est ça? Kay. Enfin, c'est un peu les succès internes au jeu. Mais le seul truc, c'est que voilà, je sais pas. Ah bah non, on est au bout. Ok, donc ça, c'est bon. Enfin, ce qui fait qu'on en a quoi? 2, 4, 6, c'est par 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fois 7, c'est quoi? 49? C'est ça? Si je dis pas de la merde.
Et on en a 7, 10, 13, 16, 17. On en a 20. Ça va, c'est pas dégueu. Je pense qu'on devrait finir où on sera à peu près à la moitié des distinctions. À ce stade, tu as réclamé 20 distinctions. C'est vraiment un privilège de servir une réussite aussi incroyable. Voilà. Et il y a l'élimination de monstres aussi qui nous rapporte des médailles. Enfin, je vous montre vite fait. Genre là, je pourrais en réclamer 3. Là, je pourrais en réclamer une. Sachant qu'il va falloir les farmer parce que les mages simples, on les voit plus. On voit celles que j'ai déjà réclamées. Donc les gluants, les squelettes, les gluantes. Et on a ça pour tous les trucs. Moi, généralement, je les récupère à part erreur de ma part. Hein, dans un puits, putain, ça, on n'en a pas vu beaucoup, hein, ça veut dire. Même les trolls et tout. Donc ça, pour les farmer et les avoir tous, ça va être juste abusé, quoi. Forcément, c'est plus niveau type boss. Manbou, voilà, on voit qu'après certains. Après, il y en a qui viennent seulement de. Qu'on débloque seulement petit à petit. Mais c'est bien parce que ça sert quand on cherche pour une quête. Un mob et qu'on connaît pas spécialement. Bah tiens voilà, les mondes gluants de métal, je les ai finis. Tac, ce qui fait que je peux récupérer 5 mini médailles. Mais c'est vrai que quand on cherche pour une quête un mob et qu'on l'a pas de tête, on voit pas lequel c'est. Et je pourrais très bien réclamer une, trois, etc. Donc là, mais moi j'aime bien les réclamer par 5. Voilà, même si je sais toujours pas quoi, comment on les dépense. Ce qui est assez hilarant, je trouve. Bon, et puis j'imagine qu'il y en a qui vont s'ajouter au fil du temps. Mais genre ça, et s'il faut en fumer 500, bon, j'imagine qu'ils vont en mettre, parce qu'on a vu une réexploitation des boss, genre le gladiateur. Mais 500 de ceux-là, alors qu'on est proche de la fin, ça fait beaucoup de farm pour pas grand-chose, je trouve. Je trouve que ça, par contre, c'est un peu moisi. Voilà, et ça, j'ai beau faire découvrir. Voilà, on t'explique sans monstre, voilà, t'as une médaille. C'est nul, quoi. Soyons d'accord. Donc, j'ai pas encore trouvé comment on dépense ces médailles. C'est malheureux, mais c'est vrai. Voilà, j'en suis attristé. Alors, on va peut-être dépasser. Non, on va aller. Peut-être avant que j'oublie. On va aller recharger les pierres de soins que j'ai utilisées tout à l'heure. Surtout que j'en ai eu en plus. On va imprégner. J'ai un peu d'argent, on va en profiter. Sachant qu'il me reste plus qu'une vieille pierre de soin à 500. Après, je pense qu'on va tenter la quête de Colisea. On va essayer. Franchement, avec un peu plus de stuff, voilà. On est monté en level aussi, donc on a plus de dégâts, plus de défense. Mais c'est même pas ça qui me dérange. C'est la tonne de monstres. Voilà. Et les mobs qui défendent pas trop, parce que je mets des mobs proches de la racine du Draxil. Voilà, on est full. Donc c'est plus ça qui me dérange, c'est cette gestion, les mobs qui réagissent pas tout le temps. Bon, quand je vois que j'approche un peu, je vois que ça gère, mais par moment, je vois ils réagissent même pas, quoi, même les mecs qui sont avec moi. Donc c'est un peu con à dire, mais c'est tellement ça. Donc en fait, ouais, il faudrait venir farmer ici, genre en mode héros. Par exemple dans le désert, dans le truc. Et puis là, on va pouvoir farmer, parce qu'en fait, on va retrouver des boss ou des mobs un peu plus balèzes, un peu élite, qu'on va retrouver peut-être un peu plus en masse et qui vont pop toujours. Système de vague, voilà, l'infini, on sort quand on a envie pour faire de l'XP. D'où le truc que j'appelle farm. Hein. Et c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Parce que c'est peut-être le moyen de faire les médailles. Je pense que c'est peut-être le moyen le plus efficace, possiblement. Faut que j'arrive à choper des médailles aussi. Voilà, donc on va aller par là-bas. Là, il m'aurait fallu une médaille, voilà, genre pour défendre à gauche. Parce que voilà, ça arrive déjà. C'est peut-être con à dire, mais voilà, c'est les mecs sont déjà là. Donc c'est cool, c'est soit on joue la carte, voilà, pop-up, hop-hop-hop filament et tac, mais TG toi. Parce que je vais leur mettre deux coups, donc c'est pas la question. Mais c'est qu'ils arrivent tellement vite qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais faire comme ça, voilà, histoire de les aggro tous. Et eux, c'est des sous-merdes, hein, parce que je leur mets deux coups. Non mais il faut le dire, je leur mets deux coups. Mais ils sont tellement chiants.
On va essayer de les ralentir. Voilà, eux sont déjà là-bas. Ça, c'est de la merde en boîte. Merde, mais non, mais c'est moi qui saute. Que boulet. Voilà, genre les golems, je les défonce rapidement. Mais ça arrive tellement vite à chaque fois. Barrez-vous. Ah, Maya, bah c'est Maya, en fait, j'ai perdu. Je crois que j'avais tablé sur Jessica. C'est finalement Maya qui a pris le dessus. Ouais, j'ai failli me faire glacer les fesses. Bah, j'ai l'impression que c'est moi qui me visais avec ce truc de glace. Voilà, parce qu'après les mobs, voilà, c'est. On va assez vite pour les défoncer, même les plus gros. Par contre, t'as le droit de mourir, quoi. Faut que je me dépêche de retourner à la racine. Non, mais il faut le dire. Alors, je sais pas si c'est bien ça. Pour l'instant, ça défend, mais c'est pas ça, voilà quoi. C'est carrément pas ça. Ça défend bien contre les gros, mais les gros ils le retiennent trop. Alors, même si je mets des petits, j'ai remarqué que c'était la misère infinie quand même. Et les gros, s'ils passent, on est dans le caca aussi. Mais moi, c'est vraiment les petits qui me font chier. Parce qu'en plus, ça devient vite un bordel, voilà. Et on les voit pas. Les mecs ils s'incrustent, mais genre méchants. C'est de la saloperie finie ces mecs. Et si je vais... Donc voilà, le problème c'est que si je vais à un TP et je me la jouais, je te ralentis, je prends le temps, etc. C'est moi qui vais me faire carotter. Je le dis parce que c'est vrai. C'est peut-être con dit comme ça, mais c'est tellement ça. Parce qu'eux se déplacent. Et les petits, bah, ils font tellement de ravages, malheureusement. C'est juste ouf, quoi. La racine, elle prend 3 shoots, là. Voilà, on voit que j'ai quand même défendu depuis tout à l'heure. Et pourtant, ça fout la merde. Donc c'est vrai que j'essaye de démonter le plus possible de petits. J'essaye d'écarter le plus possible... nos amis. Voilà, mais ils en ont laissé passer un ou deux, là, les petits oiseaux de merde. Et ils vont juste faire chier. Parce que c'est eux qui font super mal à cette racine de merde. Mais toi, t'es un méchant. Et après, voilà, il y a aussi ce truc où c'est difficile de reconnaître qui est avec qui. Ça aussi, c'est un beau bordel, je le dis sincèrement. Mais voilà, on est là pour prouver que c'est faisable, que c'est jouable. Alors on va essayer, même si je sais pas ce qui se passe, je l'avoue sincèrement, je comprends pas tout, je sais pas qui je tape, je sais pas qui avec moi, qui ne l'est pas. Parce que franchement, dans ce mode gros plan, des fois, à zoomer... Ah merde, j'ai été ébloui. On va essayer de vider un peu la carte comme ça. Merde, est-ce que je vais pouvoir la lancer à temps? Voilà, je vais essayer d'en toucher deux, parce que là c'est des gros, si ça peut me faire éviter que mes gros à moi aillent dessus, et qu'ils s'occupent des petits. Parce qu'il y aurait carrément moyen après que ça passe tranquille. Si les mecs ils font pas de la merde, je veux dire voilà, ça passe nickel. Il y a rien de compliqué dans le bordel. On va pas se le cacher. La difficulté du truc, c'est pas justement... Hop, j'essaie de le mettre là, au cas où. Voilà, parce qu'il y en a toujours qui passent. Mais le truc, c'est des saloperies. Voilà, les miens ralentissent bien pour l'instant, ça marche bien. Voilà, cassez-vous. Hop, les armures, maintenant, ont l'air un peu plus sensibles à...
Lui, c'en est. Merde, c'en est pas un. Voilà, il faut fumer les petits oiseaux. Là, lequel n'était pas avec moi? Merde, je sais plus. Mais voilà, c'est ça le problème. Voilà, maintenant, qui n'était pas avec moi? Il y en avait un, il me semble. Ah bah lui, il est pas avec moi. Voilà, tais-toi. Oh, lui, il a tout mangé. Hein. Danse de séduction, truc de mon cul. Il a pris super cher. Ah, mais voilà, encore des petits oiseaux de merde là. On prend super cher. On n'a pas encore eu mode attention, c'est la dernière vague, mon cul sur la commode, hein, je le dis. Parce qu'on n'a pas encore eu ça. Ça m'a mis en mode super vénère. Et il y a encore du monde qui arrive, hein, je le dis. Voilà, tarte en pion, tarte en sac. Casse-toi de là, casse-moi de là. Les petits là, ils font chier. Parce que les gros, ça va en soi. Ils sont pas chiants, ils sont lents, ils mettent du temps. Les golems, je veux dire, on les défonce rapidement. Ça, c'est pas un souci. Bon, ça fait un peu le ménage. Ça pourrait passer. Hein. Voilà, on a débordé sur le time, mais c'est pas grave. Je le dis, c'est pas grave. Mais on n'a pas encore eu l'annonce de la dernière vague. C'est quoi qui est passé? Bon, ça fait prendre du level, voilà. Ça grignote les levels. Là, j'ai plus de mana. Donc il va falloir se démerder là quand il va y avoir des oiseaux. Ah, je sais pas si vous comprenez. Voilà, regardez-moi ces sous-merdes. Voilà, eux ils se font un plaisir mais tellement royal de faire chier le monde. Oh, ce monde de la folie! Je vais ce truc. Voilà, on a l'annonce de la dernière vague. Alors la question c'est est-ce que je vais faire tenir avec l'arbre? Est-ce que je vais tenir dans le temps? Ça va être la question. Parce que le problème c'est que si je les laisse avancer. Je pourrais me dire hein, je vous laisse avancer, voilà on n'en parle plus. Mais je pense que c'est trop risqué comme ça. Malheureusement pour moi. Voilà, parce que lui, ils sont ridicules. Soyons sérieux. Mais ta gueule. Oiseau de merde. Oh, ce bordel! Bon, j'essaye de virer un peu de petit. Putain, je vois rien. Bon, voilà, parce que je sais qu'il y en a deux. C'est eux qui font chier. Merde, golem. Voilà, les gros, le problème, c'est qu'à eux, s'ils viennent, ils approchent aussi. Ils sont pas chiants, mais ils font chier. Et voilà, on a échoué. Voilà, mais c'est ce que je voulais montrer. C'est tellement le bordel. J'arrive pas à trouver une strat. Parce que si je TP, franchement, les deux, trois petites merdes, là, ils te vident la barre de vie, mais tellement rapidement. C'est un truc de fou. Bah non, on va pas recommencer, nous, on se casse. Voilà, ça fait deux fois qu'on échoue, je crois, sur vidéo, sur ces trucs. Ah, mais celle-là, mais ça montre à quel point je ne sais pas défendre et je hais ce truc. Je le dis sincèrement, je hais ça. C'est pas grave, comme ça, la prochaine fois, bah, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, on va se rattaquer à l'épisode de l'Hydraxyl. La deuxième partie, vu qu'on a fait qu'une partie. Ah, mais on a pris un level aussi. Bah voilà, quasiment tout le monde a pris un level, sauf Yangus qui l'avait eu avant. Donc bah, mine de rien, c'est très bien. Voilà, ça fait plaisir. Comme ça, on va se quitter là-dessus tranquillement avec cette petite musique. Genre voilà, ça permet aussi de farm parce que je pense que pour arriver vers la fin, il va peut-être quand même avoir besoin de level. Même si pour l'instant, on n'a pas trop eu besoin de grind. Je dis franchement, hein, même si je passais un peu de temps sur le jeu, je crois avoir passé le cap des 20 heures. Je sais pas combien on est, on doit être un peu plus de 20 heures maintenant. Mais c'est un plaisir, je m'amuse, donc c'est ça qui compte. J'ai pas passé 5 heures d'histoire pour 15 heures de farm voilà, qui tournent en rond, ou juste ça, je l'ai fait par plaisir des fois pour faire des petites quêtes. Voilà, j'avais envie pour agrandir mon sac, pour agrandir mes pierres de soins, mes slots de monstres. Je veux dire, ça a un intérêt quand même sur la plupart des trucs, c'est pas juste de l'ajout bidon. Et c'est ça le plus important, donc.
Voilà. En tout cas, merci à vous, merci à ceux qui ont été présents pour suivre cette vidéo, pardon. J'ai dépassé 5 minutes, mais c'est pas grave, c'est pour les fois où on coupe en avant, ça compense. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, on se retrouve très vite. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, les amis.